moins 2x carré plus 3x moins 7, et on me demande de calculer sa valeur numérique précise pour la valeur x est égal à 2 tiers. Donc il s'agit de remplacer dans cette expression-là x à chaque fois par 2 tiers, mais moins 2 tiers, excusez-moi, au carré plus 3 fois. Ça vaut le coup de mettre les fois ici. C'est une source d'erreur souvent. Parce que autant dans l'expression 3 fois x, il n'y a pas de souci, on voit bien qu'il y a une multiplication. On s'aperçoit que souvent des élèves commettent des erreurs après en ne se rappelant plus trop l'opération qu'il y a entre le 3 et le moins 2 tiers ou entre le 2 et le carré de moins 2 tiers. Donc il est peut-être plus prudent de rajouter un petit signe multiplié pour bien comprendre les opérations qui sont en jeu. Là j'ai posé mon problème, simplement j'ai remplacé x par la valeur moins 2 tiers. Et bien donc je vais opérer maintenant le carré de moins 2 tiers. Le carré d'un nombre c'est un nombre multiplié par lui-même, donc c'est moins 2 tiers fois moins 2 tiers. Le signe, je peux le gérer, ça va devenir un nombre positif. Donc ça revient à faire simplement le carré de 2 tiers. Et bien 2 tiers fois 2 tiers, on multiplie au numérateur et au dénominateur. 2 fois 2 en haut, 4. 3 fois 3 en bas, 9. Plus. Ici, 3 fois moins 2 tiers. Je multiplie un nombre positif par un nombre négatif. Donc le produit va être négatif. Je peux déjà mettre mon signe moins. Et 3 fois moins 2 tiers, je peux simplifier, ça revient à dire 3 unième fois moins 2 tiers, en simplifiant par 3 numérateur et dénominateur, il reste 2. Il y a le moins 7 qui est derrière. Ici, bon, on va effectuer, moins 2 fois 4 neuvièmes, ça me fait donc moins 8 neuvièmes, et on peut simplifier moins 2 moins 7 en mettant moins 9. Ce dernier calcul est à terminer, on va tout mettre au même dénominateur, ce qui fait moins 8 neuvièmes moins 81 neuvièmes. Et donc au final, moins 8 moins 81, ça fait moins 89 neuvièmes. Je peux m'interroger à savoir est-ce que cette fraction-là est irréductible ou non. Sachant que je n'avais pas de machine. Une des questions à se poser au moins, c'est est-ce que c'est divisé par 9. 8 plus 9, 17. Ben, 17 n'est pas un multiple de 3 ni de 9. Donc cette fraction-là semble bien irréductible. Elle est irréductible.